Match énorme pour les attaquants. Alors vous avez défendu énormément, vous avez attaqué. C'est un match complet qui fait, j'imagine, plaisir à vraiment tout le monde. Quoi. Dès le début, on savait qu'en venant ici, ça allait être très dur. Et on a su rester compact et ne pas subir le match. Et dès l'entame du match, on s'était dit qu'on allait les bousculer et bien défendre devant. Comme ça, derrière, on va récupérer les ballons. Et puis, avec la vitesse devant, on savait qu'on allait les faire mal. Bon, puis ça s'est mal passé, début de seconde période, vous prenez ce but. Et pourtant, malgré 10 minutes difficiles, vous réagissez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour remettre la machine en avant? Quand tu viens en lance, tu sais que c'est pas facile quand tu prends un but tôt comme ça, en plus en deuxième mi-temps. Après, on n'a pas tardé à réagir. On s'est dit que maintenant on n'a plus le choix, il faut tout mettre dans le paquet. Et puis ces derniers matchs aussi, ça nous a beaucoup aidé parce qu'à chaque fois on prenait des buts et puis derrière on revenait. Et ça nous a aidé, je pense, aussi dans nos têtes. Et puis c'était un beau match, du coup on était costaud et puis là on a su réagir. Alex, vas-y. À un moment, il y a une superbe balle de contre que vous négociez mal et derrière vous faites la passe décisive pour Tino. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y a ce compte mal exploité et cette passe décisive? En fait, avant cela, il y avait une première opportunité, mais je n'ai pas su concrétiser l'action. Et ça m'a un peu mis mal à l'aise dans ma tête et tout. Mais comme je suis costaud, et du coup, je me suis dit la deuxième, soit je le mets au fond, soit je fais une passe décisive. Et ça s'est passé sur la deuxième action. Ouais.